Les Denerbes à Filqvayel, ils sont très présents dans les manifestations. D'ailleurs, on l'entend ici, même à Paris, à République. Beaucoup disent voilà, bravo à la Kabylie. Encore une fois, vous êtes avant-gardiste, vous êtes toujours au-devant. Il faut qu'on suive les Kabyles. Mais là, on sait qu'il y a eu quand même des manifestations qui ont été réprimandées violemment. Et on a beaucoup de jeunes qui ont été éborgnés. D'ailleurs, tu as fait cette photo en solidarité comme beaucoup. Ça a vachement buzzé sur les réseaux. C'est quoi le message que tu veux faire passer quand tu fais cette photo comme ça? Ben, le message, déjà, c'est un soutien à toutes les victimes, à tous les jeunes qui ont perdu leurs yeux dans le... Et malheureusement, il n'y a qu'en Kabylie que ça est arrivé, quoi. Dans les autres régions, il n'y avait pas ça, on ne sait pas pourquoi. À chaque fois, c'est la Kabylie qui paye le tribut, qui paye les conséquences. Voilà. Donc, comme j'étais déjà... Moi, j'étais déjà en 80, j'étais dans la rue. Mmh. Voilà, donc j'avais 20 ans en 80, donc j'étais émeutier. En 2001 aussi, pareil. Voilà, donc j'ai tout le temps soutenu les mouvements de Kabylie, quoi. On a l'impression que finalement, le Kabylie, c'est toujours les grands perdants de l'histoire. On est à l'avant, à chaque fois. Ouais. Et c'est Guérigny. Exactement, oui, ça a toujours été comme ça. En 2001, il y avait plus de 128 jeunes assassinés, plus de des milliers de blessés. Là, on est déjà à 700 blessés, des dizaines d'éborgnés, un mort du côté de Boumeldès. Voilà. Ouais. Il faut que ça s'arrête. Qu'est-ce que tu dis aux jeunes? Ben oui, il faut soutenir le mouvement pacifiquement. Voilà. Mais les jeunes, ils sont pacifiques. C'est en face qu'il y a de la violence. Eh bien oui, justement, il ne faut pas donner l'occasion pour les policiers ou pour les gendarmes parce que peut-être il y a des gens qui ont déjà qui sont en mission. Mmh. Voilà pourquoi en Kabylie on a blessé des gens pas ailleurs. En plus, je pense que c'est le même mouvement, c'est les mêmes marches, c'est les mêmes manifestations. Voilà, donc j'ai rien à comprendre. Et alors justement, ces jeunes Souraven, il y a une action de solidarité et toi, tu veux y participer en reversant une partie des bénéfices du concert du Zénith pour aider ces jeunes à se rétablir. Oui, donc juste après le jour même où j'ai pris la photo, voilà. Donc, je me suis dit pourquoi ne pas aider. Je ne peux pas, bien sûr, parce qu'il y en a beaucoup déjà, donc ça demande beaucoup d'argent, beaucoup de... Voilà. Mais, comment dire, c'est ma modeste contribution. Donc, je vais contribuer avec une partie de mon cachet. Une grande partie même de mon cachet. Je vais la remettre à ces jeunes blessés de ces dernières manifestations. Voilà. Et j'espère au moins ça va faire quelque chose, ça va apporter quelque chose de... Voilà.